on a constaté que c'était quand même un bel endroit et que peu de gens connaissaient le château Mondron. On a décidé de demander à des artistes de Charleroi de venir se produire ici, des artisans de proposer leurs spécialités. Cette fois-ci, on a proposé du pop-corn de Charleroi. On a commencé d'abord avec 3 bières et maintenant, on en a mis 3 en plus à la carte parce qu'on a un peu cherché, avec aussi la manufacture urbaine qui va d'ouvrir. On a vraiment eu l'occasion de mettre de nouvelles bières à la carte cette fois-ci. On invite les jeunes artistes de Charleroi à venir se produire. Pourquoi pas mettre des DJ moins connus et qui ont peut-être moins la chance de se produire quelque part que toujours les mêmes, les gros DJ qu'on voit d'habitude. Enfin, c'est donner une chance vraiment aux jeunes artistes de Charleroi de venir se produire ici, je pense. Plus tard, on voudrait bien aussi inviter des peintres ou des sculpteurs pour venir exposer les œuvres. C'est que les gens s'attachent à Charleroi. Enfin, c'est vraiment l'émotion qu'on veut faire passer, c'est que c'est quand même convivial. Tout le monde dit qu'il n'y a que des baraquets à Charleroi. Non, tout le monde est sympa à Charleroi, tout le monde s'entend bien. On fait des trucs super. Dans ces apéros-là, les gens s'entendent super bien et c'est ce qu'on veut faire passer.